Nouvel épisode de Divertissement dans un fauteuil pour cause de confinement. Aujourd'hui, Jules Renard avec le renseignement. Petite note, Corbigny et Saint-Révérien sont deux petits villages de la Nièvre. Pardon mon ami, combien de temps faut-il pour aller à pied de Corbigny à Saint-Révérien? Le casseur de pierre lève la tête et, pesant sur sa masse, m'observe à travers le grillage de ses lunettes sans répondre. Je repose ma question. Pardon mon ami, combien de temps faut-il pour aller à pied de Corbigny à Saint-Révérien? Il ne me répond pas. C'est peut-être un sourd-muet. Alors, pardon, mon ami, combien de temps faut-il pour aller à pied de Corbigny à Saint-Révérien? Je continue ma route. J'ai fait à peine une centaine de mètres que j'entends la voix du casseur de pierre. Hey, monsieur! Monsieur! Il m'appelle et agite sa masse. Alors, je reviens et il me dit « Il vous faudra 2 heures. » « Ah, merci monsieur, mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ?»« Monsieur !» m'explique le casseur de pierre. « Vous me demandez combien de temps il faut pour aller à pied de Corbigny à Saint-Révérien ? Oui ! Eh, ben vous avez une mauvaise façon d'interroger les gens. Il faut ce qu'il faut. Ça dépend de l'allure. Est-ce que je connais votre train, moi, alors? Je vous ai laissé aller. Et puis, j'ai regardé. Et puis, je vous ai vu marcher à bout de route. Et puis, j'ai compté. Et puis, maintenant, je suis fixée. Je peux vous renseigner. Il vous faudra 2 heures. Nouvel épisode bientôt.